C'est une immense joie et une très grande fierté. Tous les Troyens, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le foot, sont extraordinairement heureux. C'est une période très particulière, il y a assez peu de bonnes nouvelles. Celle-ci, on la voit venir, mais entre la voir venir et la constance de produire l'effort pour arriver à des résultats qui font que l'Estac est champion d'automne et va finir champion de Ligue 2, c'est un titre magnifique pour les joueurs. Je suis extraordinairement heureux pour Laurent Batles, que j'ai découvert, qui est venu ici, qui méritait déjà la montée l'an dernier et qui cette année a créé les conditions d'avoir un jeu de grande qualité, très audacieux, extrêmement stressant pour le supporter à voir, mais ça marque toujours. Et avec le changement dans le club, le changement d'actionnaire, des garanties supplémentaires, la même ambiance et la même volonté de produire du football. Pour les supporters qui étaient là, qui ont été présents, c'est une joie immense de pouvoir imaginer au mois d'août rejouer des clubs d'exception avec un public dans le stade et être en Ligue 1.